Au sommet de cette édition de l'actualité, le Premier ministre sur le chantier des travaux de construction et de bitumage du boulevard de contournement de la ville de Ouagadougou. Objectif constaté de visu l'évolution des travaux sur ce chantier majeur de la capitale burkinabé. Nous entendrons Christophe Joseph Marie Dabiré à l'issue de sa sortie dans quelques instants. Levée du couvre-feu et joie des promoteurs culturels. Agawa, pas de temps à perdre car il faut rattraper le retard dû à plus de 2 mois d'inactivité. Projets et événements culturels sont déjà planifiés. Nous aurons quelques réactions à l'annonce de la fin de cette mesure contraignante dans ce journal. Et puis en Libye, les pourparlers qui se font toujours attendre. Les ingérences des puissances étrangères dans le conflit paralysent toute démarche dans le sens d'une éventuelle pacification. Nous verrons en fin d'édition comment les engagements pris à Berlin en janvier dernier peinent à se tenir. Bonsoir, bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité sur la télévision du Burkina. Merci de nous suivre. Et nous ouvrons ce journal avec l'hebdomadaire réunion de l'exécutif burkinabé. L'on a parlé nutrition de la population et gratuité de la planification familiale. Un plan de réponse et de soutien aux personnes vulnérables à l'insécurité alimentaire, à la nutrition est adopté. Et sur la table du Conseil des ministres, le plan de riposte COVID-19 du département de l'éducation nationale. Le compte rendu avec Daouda Ouattara et Sekou Zongou. Le plan de riposte du COVID-19 au niveau du ministère en charge de l'éducation nationale, le compte-rendu des différentes rencontres d'information et d'échanges avec les acteurs du système éducatif sont les points développés par Stanislas Ouaro aux membres du gouvernement. Et à ce jour, dit-il, le gouvernement travaille sur le plan de l'achèvement effectif de l'année scolaire 2019-2020. Il a présenté également les différents aspects sur lesquels il veut avancer, notamment donc la poursuite du dialogue avec tous les partenaires et toutes les parties prenantes en vue de trouver des solutions concertées et appropriées aux préoccupations soulevées dans le cadre donc de l'achèvement de l'année scolaire 2019-2020. À la date d'aujourd'hui, donc, il nous a dit qu'il y avait 1 158 537 masques qui étaient disponibles et livrés. Mais il a dit que tout devait être fait pour qu'au plus tard mi-juin, tous les enseignants et tous les élèves et les 2 masques ont engagement pris. Au titre du ministère de la Santé, le Conseil a adopté 2 rapports. Le premier porte sur la politique nationale pour l'amélioration de l'état nutritionnel des populations et le second sur l'extension de la gratuité de la planification familiale sur toute l'étendue du territoire. Des décisions qui devraient contribuer à l'amélioration de la santé des populations. Il s'agit donc de réduire la sous-nutrition, de réduire les carences en micronutriments, de renforcer la lutte contre la surnutrition et les maladies chroniques non transmissibles liées à la nutrition, de renforcer la sécurité sanitaire des aliments, mais également d'améliorer la gouvernance en matière de nutrition. Nous avons adopté la planification familiale pour capturer le dividende démographique et que nous visons donc une incidence synthétique de la fécondité de 4,7% et une prévalence de la contraceptive de 32% en 2020. Et pour aider à passer le cap de la période de soudure des mois de juin à août, le gouvernement a adopté un plan de soutien aux personnes vulnérables à l'insécurité alimentaire et à la malnutrition. Ce plan vise à soutenir les personnes vulnérables à travers l'assistance alimentaire, la production agricole et animale et la prise en charge des enfants de moins de 5 ans en situation de malnutrition, selon le ministre porte-parole du gouvernement. Et enfin, au titre du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, le Conseil a adopté 2 rapports sur les schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme. Ces schémas permettront de coordonner le développement spatial dans les villes de la ville de Rémy Fulgence d'Andjinou. L'autoroute de contournement de la ville de Ouagadougou a déjà ouvert la bretelle Koubri-Pabré à la circulation. Signe que les travaux de ce vaste chantier avancent bien. 41%, c'est le taux de volume des travaux exécutés à 8 mois après leur lancement. Un constat qui satisfait le Premier ministre qui vient d'y faire un tour cet après-midi. Nous écoutons Christophe Joseph Marie Dabiré. Le travail sur ce chantier a commencé depuis octobre 2019. Ça fait bientôt un peu plus de 6 mois.
Et nous avons voulu faire le déplacement sur le chantier pour constater l'état d'avancement des travaux et surtout pour voir quelles sont les difficultés que l'entreprise rencontre et qui pourraient obérer les délais qui lui sont prescrits pour la réalisation et la livraison de l'ouvrage. C'est un projet réellement emblématique qui donne une idée de la vision que le chef de l'État, le président du FASO, a pour l'évolution de notre ville, la capitale Ouagadougou. C'est un projet réellement emblématique, comme vous le constatez. 125 km de contournement de cette ville pour améliorer la circulation interne, assurer une plus grande efficacité de la sécurité des personnes qui vivent dans Ouagadougou et éviter que les gros camions qui avaient l'habitude de traverser notre ville ne continuent à traverser cette ville-là avec tous les risques que cela suppose. Je sais qu'il y a dans notre ville beaucoup d'autres projets d'infrastructures qui sont en cours de réalisation. Nous aurons l'occasion d'aller les visiter et voir comment nous sommes en train d'améliorer la vie de nos populations à l'intérieur de la capitale. Mais au-delà de ça, nous sommes en train de travailler sur d'autres villes avec des infrastructures que nous réalisons à Ouagadougou, à Waïguia, pardon, à Bobo-Dioulasso, à Koudougou, pour améliorer également la qualité de la vie urbaine de nos populations dans ces différentes villes-là. Propos recueillis par Urbain, Benito Sommet et Olopoda des travaux de réfection de leur route principale appelée de tous leurs vœux par les habitants de Péré dans le sud-ouest. Le début de la saison des pluies et déjà les premières difficultés pour allier la ville de Bati à Péré. La route impraticable en saison sèche est source de cauchemars pour les populations de la zone quand vers l'hivernage. Le seul pont sur la voie aurait encore subi des dommages dernièrement, comme nous l'indique le constat fait pour nous par Issaka Zabré, Warantehien et Lambert Soma. Une route dégradée, des ouvrages de franchissement presque hors service, ainsi pourrait-on résumer l'état de la route Bati-Péré, longue de 55 km. Le cauchemar des populations sur cet axe, les ponts réalisés sur la rivière Pony. Le pont du Pony, c'était un pont en bois. Et c'est les événements de la Côte d'Ivoire en 2010 où il y a eu la crise ivoirienne qui sont venus mettre des dalles. Un pont mobile qu'on peut enlever cette dalle-là. Donc, avec l'érosion de nos jours, on sent un mouvement au niveau du pont. En ce début de saison des pluies, ils sont très rares à s'aventurer sur cette route. Ce chauffeur a tenté l'expérience. En milieu de chemin, il décide de faire demi-tour. Mais la route de Péré ne se laisse pas dompter facilement. Cette route n'a jamais été en bon état. Même en saison sèche, on a des difficultés à circuler. N'en parlons pas de la saison des pluies. Tous les ponts sont fortement dégradés. Les gros porteurs n'arrivent plus à circuler. Nous souhaitons qu'on la réhabilite. Les tricycles et les motos sont devenus les maîtres de la route. Conséquence, l'activité économique tourne au ralenti. Je vends du matériel électronique. Je vais livrer ces plaques à Bati. Comme la route est impraticable, plus personne ne vient au marché de Péré. En tout cas, si la pluie tombe comme aujourd'hui, comme ça, là, comme demain, c'est un marché de Péré. Là, comme du véhicule, il ne se fatigue pas même pour partir là-bas. Voilà, il ne se fatigue pas. Parce que sécurement, lui-même va partir là, il ne peut pas partir même. Parce qu'il va foncer ici, là, voilà. Le sentiment général là dans le Noumbiel, c'est que la commune de Péré est en état d'isolement du reste de la province. J'avais en son temps dit que si on y prenait garde, Péré risque d'être coupé du reste de la province. Je crois que c'est ce qui est en train d'arriver. Actuellement, si ce n'est pas en moto, ça fait déjà deux marchés. Aucun véhicule n'est allé au marché de Péré. C'est vraiment dommage quand on sait qu'il n'y a pas très longtemps, on nous a promis la réfection de cette voie et même une ambulance. Pourtant, des travaux de construction d'ouvrages de franchissement ont été lancés il y a quelques mois. L'entrepreneur dont je disais qui est sur la route, qui a fait des déviations, dont ces déviations ont été très mal faites, qui ne permettent pas aux camionneurs de passer sur ces déviations. À l'endroit de l'État, avoir un œil regardant sur cette commune qui fait frontière avec des pays. Donc une commune en plein développement. Mais l'état de la route nous empêche de parvenir au développement.
Cet axe fait partie de la route nationale numéro 11 qui relie Orodara à Péré en passant par Banfora, Gawa et Batié. Nous revenons à Ouagadougou où le ministre en charge de la jeunesse poursuit sa tournée dans les centres de formation professionnelle. Le centre privé de formation professionnelle El Hadj Souleymane Ouédraogo et celui spécialisé dans la conduite d'engins miniers reçoivent ce mardi la visite de Salfo Tiemtouré venu encourager aussi ces structures qui reprennent leurs activités malgré le Covid-19. Le point complet de la tournée avec Amadou Ilboudou et Vincent Kiendre Beogo. Au centre de formation professionnelle El Hadj Souleymane Ouédraogo, le ministre Salifo Tiemtouré fait le tour de quelques classes avec des élèves en plein cours. Ici, des apprenants en conduite d'engins lourds sur des simulateurs. Et là, quelques démonstrations sur le terrain avec de vrais engins. Et le ministre d'encourager les responsables et les élèves de cet établissement. Et en tout cas, on est très content de voir cette visite ce matin. Et ça nous rassure, ça nous donne beaucoup de courage à aller en avant, à créer encore avec leurs conseils et leur soutien. On espère qu'on va aller plus loin que ça encore. C'est autour de CFPEM SST, un centre privé spécialisé dans la formation en conduite d'engins miniers et BTP, de recevoir la visite du ministre. Accueilli par le directeur de la formation, Ibrahim Ouédraogo, le ministre constate l'effectivité de la reprise des cours dans les conditions requises. Nous sommes véritablement encouragés, voilà, parce qu'il nous a prodigué également des conseils, voilà, ce qui est de la formation, en ce qui est de l'insertion, et nous savons que nous sortons vraiment enrichis de cette visite du ministre. Il dispose aussi non seulement des compétences en formation, mais aussi du matériel adéquat pour la formation. Nous avons en vue la tenue des états généraux de la formation professionnelle pour faire en sorte qu'à ce que donc, la formation professionnelle puisse être orientée emploi. En signant ce livre d'or, Salifo Tiemtouré félicite des structures privées de formation comme le CFPEM SST, centre avec lequel le ministre entend nouer un partenariat pour œuvrer à la qualification des jeunes pour augmenter leur employabilité. Le maire de la ville de Ouagadougou, qui lui aussi constate la reprise effective des cours pour les élèves en classe d'examen dans les lycées municipaux Vénégré et Bambata de Ouagadougou, mais aussi encourage le corps enseignant pour ses efforts pour cette reprise. Armand Bewindé est allé les mains chargées de nécessaire pour permettre la poursuite des classes dans les conditions d'hygiène et de protection requises. Kwale Nebié, Issia Kanana sont de la visite, leur compte rendu. Roland Pierre Armand Bewindé, professeur au lycée municipal Bambata, le temps d'une matinée. Au programme du cours avec les élèves de 3e, le respect des mesures barrières contre le coronavirus édictées par les autorités sanitaires. Et vous tous, vous portez les cache-nez, c'est une très très bonne chose. Parce qu'on doit rester vigilant. Vos enseignants, ils ont pris les dispositions pour mettre les seaux de lave-main devant chaque bâtiment. Il faut le respecter scrupuleusement. Hein, la distanciation physique et toutes les autres mesures de barrière, il faut les respecter. Ici, au lycée municipal Vénégré, c'est dans la peau d'un éducateur que le maire de Ouagadougou s'adresse à ses élèves de terminale. Parce que quand vous levez le matin pour venir ici, c'est pour venir apprendre. C'est pour venir apprendre à devenir. Parce que l'État, la nation, compte sur vous. C'est vous l'avenir. Nous, nous sommes les intermédiaires. Mais pour cela, tout passe par ici. C'est une tournée pour constater l'effectivité de la reprise des cours pour les élèves en classe d'examen. Pas de difficultés majeures à signaler. Tout se déroule bien, selon les premiers responsables des deux lycées. Occasion donc pour le bourgmestre de la capitale d'encourager les élèves et le personnel enseignant. Ça nous réconforte en tout cas. Nous sommes ravis qu'il ait pensé à nous, qu'il soit venu nous prodiguer des conseils en tant que père. Nous sommes vraiment contents et nous prenons ça en compte. Et pour joindre l'acte à la parole quant au respect des gestes barrières contre le Covid-19, le premier responsable de la commune de Ouagadougou fait ici don de produits d'assainissement au lycée municipal Bambata. Et la crise sanitaire liée à la maladie à coronavirus qui n'a pas épargné les enseignants du privé qui crient leur désespoir, victime collatérale de cette pandémie, la coalition nationale
Des enseignants du privé interpellent le gouvernement et les employeurs sur la situation de ses membres. La coalition évoque le sujet ce matin avec les journalistes en présence de Maïmouna Traoré. Pour la deuxième fois, la coordination des enseignants du privé du Burkina Faso donne de la voix. Il y a quelques semaines, elle dénonçait face à la presse dans cette même salle de la Bourse du Travail les suspensions et ruptures sans préavis de contrats d'enseignants suite à la fermeture des classes pour cause de coronavirus. Mais selon leur porte-parole, ce cri du cœur n'est pas entendu. Malgré les interpellations et les démarches entreprises auprès du gouvernement, de l'association des parents d'élèves et de leurs employeurs, les enseignants n'ont pas obtenu gain de cause. Au regard de la situation des peines, il est objectivement impossible pour les travailleurs victimes de ces multiples injustices de reprendre convenablement les chemins de l'école. De ce fait, nous appelons les travailleurs de l'enseignement privé à, premièrement, boycotter les instances dans les différents établissements sur toute l'étendue du territoire national. De veiller sur le respect des mesures barrières. 3. D'exiger le paiement des arriérés des salaires et du mois de juin avant la fin de la semaine. 4. Rencontrer les parents d'élèves dans les différents établissements pour discuter avec eux sur la situation des travailleurs et son impact sur la qualité de l'éducation de leurs enfants. Et enfin, entreprendre toute initiative utile pour faire entendre notre voix dans différentes régions. Et les enseignants du privé ne comptent pas baisser les bras. Ils entendent tout mettre en œuvre pour le rétablissement de leurs droits et mieux pour une amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Autre sujet d'actualité, la stratégie nationale d'industrialisation présentée aux hommes de médias, le ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat dévoile également ses ambitions pour la promotion des filières porteuses que sont le sésame, l'anacarde et la tomate. Et l'on n'oublie pas bien sûr l'encadrement et la protection des producteurs, suivant le compte-rendu complet du déjeuner de presse de ce matin avec Issa Kafando et Ismaël Diloma Sirima. La vision poursuivie par le ministère du Commerce et de l'Industrie est de disposer d'un secteur industriel dynamique d'ici 2023. Et pour y arriver, des soutiens sont prévus pour les entreprises en difficulté et aussi pour les promoteurs qui comptent mettre en place des unités de transformation des produits locaux. Accompagnement en termes de prise de participation au capital, là aussi, ou accompagnement sous forme de crédit à taux bonifié, pour donc faciliter un peu la création de ces unités-là. Les acteurs des filières comme la tomate, le sésame ou l'anacarde devraient avoir des débouchés pour leurs produits. Et pour être performant dans ce système, une organisation de ces acteurs s'impose. Vous voyez que les acteurs, producteurs, transformateurs, consommateurs, ne peuvent pas eux-mêmes fixer un prix parce qu'ils ont des intérêts divergents. Si le prix est élevé, ça va arranger le producteur, mais ça n'arrange pas le commerçant et ça n'arrange pas aussi éventuellement l'industriel. Mais lorsque c'est l'État même qui fixe le prix, il tient compte de l'intérêt des différents maillons. Des réformes sont également engagées pour protéger les producteurs. Si cela aboutit, les acheteurs ne pourraient plus fixer les prix des produits à leur guise. Le fait d'instaurer l'agrément viendrait mettre fin à ces achats bon champ et qui n'arrangent pas le producteur, parce que lorsque les sociétés exportatrices étrangères viennent sur les champs, ils payent à vil prix. Au sujet de l'impact du Covid sur les filières porteuses au Burkina, la Direction générale du commerce pense que c'est une bonne opportunité pour faire la promotion du consommant burkinabé. Le couvre-feu désormais levé, les promoteurs culturels sont les plus heureux en ce moment. À Gawa, l'on est déjà à planifier les projets de spectacles et autres événementiels. Pas de temps à perdre donc pour les jeunes acteurs culturels qui ne cachent pas leur joie. Réaction à chaud à l'annonce de la fin de cette mesure contraignante. Dans ce reportage de Kassoum Tony, et bienvenue Taoussa. Ce n'est pas le bout du tunnel, mais Olo Félix Yen, alias Chokoto de Babi, et son staff peuvent déjà se réjouir. Le couvre-feu instauré pour freiner la propagation du Covid-19 n'est plus en vigueur, une mesure que ces jeunes accueillent comme une bouffée d'oxygène. Plus de temps à perdre donc, dans la mesure du possible, il faut mettre en place toute activité à même de créer un minimum de revenus.
J'ai appelé mes collaborateurs très rapidement pour que nous puissions voir à l'immédiat qu'est-ce que nous pouvons faire. Il faut le dire clairement, nous avons tapé 3 mois sans salaire. Et imaginez-vous un instant, nous sommes en aventure. Comment est-ce que nous pouvons nous en sortir avec cette histoire? Donc Dieu merci pour le coup fait, on peut applaudir une fois. L'objectif pour ces jeunes, c'est de pouvoir organiser des spectacles tout en tenant compte des mesures de distanciation et de limitation à 50 tout regroupement de personnes. C'est un ouf parce que ce qu'ils ont fait, c'est bien. On les félicite, on félicite le gouvernement pour le travail abattu. Voilà, et beaucoup reste à faire. Kapi Manadja, son téléphone ne cesse de sonner depuis des heures. Un spectacle se prépare pour ce week-end. Ce promoteur entend tout mettre en œuvre pour que l'ambiance soit inoubliable. Le samedi, Inch'Allah, si tout va bien, j'ai appelé DJ Jeff, le Massa, ce matin. Voilà, il m'a dit qu'il était occupé. Si, dès que c'est OK, le samedi, DJ Jeff, le Massa sera à Gawa pour une prestation dans la boîte de nuit. À travers la reprise progressive de leurs activités, ces promoteurs de spectacles espèrent oublier un tant soit peu les pertes qu'ils connaissent en cette période de pandémie, des pertes que certains évaluent à plus d'un demi-million de francs CFA. Et la chaîne de solidarité qui, elle, est loin de s'interrompre. Le ministère en charge de l'action humanitaire reçoit de la part de l'UNESCO des vivres d'une valeur de plus de 23 millions de francs CFA. Un don destiné aux couches les plus vulnérables dans cette lutte contre le COVID-19. La remise s'effectue en présence de Salifou Belem et Maïmouna Traoré. La Commission nationale burkinabé pour l'UNESCO a entendu l'appel à la solidarité lancé par le président du FASO, avec l'appui de l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture. Elle offre 38,4 tonnes de riz, 11 tonnes de haricots, de l'huile et du sel, d'une valeur de plus de 23 millions de francs CFA au ministère en charge de l'action humanitaire. Ce don vient en appui en termes de contribution de cette institution à laquelle le Burkina appartient depuis sa création, et donc il nous vient un peu en termes de contribution pour aider déjà les efforts consentis par l'État burkinabé dans la mobilisation des ressources dans le contexte de la pandémie. Mais au-delà, nous savons que notre pays, dont maintenant la ministre a en charge la problématique donc, de la vulnérabilité des populations, et donc cet apport voudrait contribuer un tant soit peu améliorer les conditions et surtout lorsque c'est assez accru comme gravité en termes de mobilisation des ressources alimentaires. Nous remercions l'UNESCO pour la flexibilité parce que quand on dit personnes vulnérables, cela nous permet de répondre urgemment aux besoins. Donc s'il y a un besoin quelque part, nous répondons rapidement avec le don qui nous a été octroyé. Selon Marie-Laurence Ilboudo, l'urgence aujourd'hui, c'est la prise en charge des personnes déplacées internes, les populations hôtes, celles restées dans les zones de départ et les personnes indigentes. La production du fourrage pour l'alimentation du bétail, une activité qui prend de l'ampleur au Burkina Faso. Les producteurs n'hésitent pas à exploiter plusieurs hectares dans le domaine. Un investissement qui rapporte, selon le constat fait pour nous par Alidou Edrago et Ernest Kambiri. Des fans de Niébé, des bottes de Mukuna, des fagots de Sariasso 16, des tiges de sorgho blanc ou encore des pailles de riz pour nourrir les animaux. De l'aliment pour bétail produit ici dans cette prairie familiale de 9 hectares. Nous sommes à Zano, dans le centre-est, où Zalissa Kéré fait de la production fourragère sa principale activité. Une production de fourrage destinée pour l'essentiel à la commercialisation. Moi, je cultive les tiges de sorgho blanc, sorgho rouge, des feuilles d'arachide, mil, haricots, tout pour vendre. Avec ceux qui ont fait élevage. Voilà. Par exemple, si quelqu'un veut ça, là, simple comme ça, on peut faire à 500, soit 300 même. Ça dépend du temps. Sur ce site familial se développent 3 types de production de fourrage. La production de fourrage naturel, appelée foin naturel, la culture fourragère à double fin, la récolte et le stockage des sous-produits agricoles. Ça, c'est des herbes qu'on a fait et puis attachées, déposées comme ça. Ça, c'est des feuilles des haricots. Arachide, ménager avec Vanjou. Autre localité, autre engagement pour la culture fourragère. Ici, à quelques encablures de Dédougou dans le Moun, Olivier Paré excelle dans les bonnes pratiques agricoles. Sur 24 hectares, il développe des activités agricoles, d'élevage et de foresterie. Pour cet entrepreneur agricole des temps modernes,
La passion pour la culture du fourrage remonte à 4 ans. J'avais des difficultés moi-même pour nourrir mes animaux. Donc je me suis dit, j'ai une grande superficie parce que j'ai 24 hectares que j'exploite. Donc je me suis dit, bon, ça, il faut se tourner pour cultiver pour les animaux. Donc ça m'a amené, en tout cas, à faire du fourrage. Et j'ai vu que la demande est très forte. Ici, alors que les autres producteurs vont cultiver principalement pour se nourrir, Olivier Paré, lui, va cultiver pour les animaux. À son domicile 6 au secteur 5 de Dédougou, transformé en point de vente où nous l'avons retrouvé, c'est un entrepreneur agricole débordé par les commandes qui nous parle fièrement de son activité. Sa production est vraiment bien. Vous-même, vous le constatez. Le fourrage est sec, mais c'est toujours, ça a gardé toujours la couleur. C'est vraiment très bien pour les animaux. Olivier Paré, mais cette saison, près de 21 tonnes de culture fourragère, toutes spéculations confondues, à la disposition de sa clientèle. C'est un sujet qui sera développé pour vous dans votre émission Plein Champ que vous pourrez suivre tout à l'heure à partir de 21h sur la télévision de Burkina. Et pour finir, en Libye, la reprise des pourparlers qui se fait toujours attendre. Les deux camps ont du mal à respecter les engagements pris à Berlin en janvier dernier. C'est surtout l'ingérence des puissances étrangères qui paralyse toute démarche vers une sortie de crise. D'un côté, l'armée rebelle de Khalifa Haftar, de l'autre, les forces du gouvernement d'Union nationale. Les combats sont incessants en Libye. Pourtant, les deux camps auraient accepté de reprendre les pourparlers en vue d'un cessez-le-feu. Aucun des pouvoirs rivaux n'a cependant pour l'heure confirmé cette annonce faite par l'ONU, l'organisation qui appelle les États soutenant l'une ou l'autre des parties à respecter les engagements pris à Berlin en janvier dernier et la résolution adoptée le mois suivant au Conseil de sécurité. Résolution portant notamment sur l'arrêt des ingérences. La Libye est en proie à un chaos accentué par l'implication croissante de puissances étrangères. Les Émirats arabes unis, l'Égypte et la Russie appuient le camp Haftar, tandis que la Turquie intervient militairement auprès du gouvernement d'Union nationale. L'Italie a bien tenté de s'opposer en médiateur, le premier ministre italien Giuseppe Conte rencontrant tour à tour les chefs des deux pouvoirs rivaux, mais sans succès. Les affrontements en Libye ont fait des centaines de morts, dont de nombreux civils. Plus de 200 000 personnes ont fui les combats. Le maréchal Khalifa Haftar, homme fort de l'Est libyen et son armée autoproclamée, tentent en vain depuis avril 2019 de s'emparer de la capitale Tripoli, où siège le gouvernement d'Union nationale, entité reconnue par l'ONU. Toutes les tentatives de cesser le feu ont échoué et le dialogue est rompu depuis plus de 3 mois. Pour l'ONU, le retour aux discussions doit se traduire par un début d'accalmie sur le terrain et une trêve humanitaire pour ouvrir la voie à un cessez-le-feu définitif. Fin de ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. Amandine Lalsaga vous retrouve à 23h pour la synthèse des actualités. Très bonne soirée.